bad seats. Not bad seats at all. Bonjour et bienvenue à la cinquième émission de Popcorn Reborn, culte au ciné. Alors pourquoi culte au ciné, Guillaume? Parce que à Popcorn Reborn, nous aimons diffuser et regarder nos films cultes dans un lieu de culte qui est la salle de cinéma. Alors tu seras d'accord avec moi, chaque spectateur a son rituel pour chaque film. Pour certains films, ce sera, admettons, la salle de cinéma et ses popcorn. Pour d'autres, ce sera le home cinéma et la bière entre potes. Plus il y en a, mieux c'est. La bière, pas les potes. Et enfin, on a un rituel qui est peut-être plus ancien et qui est en train de mourir. Je pense qu'il y a l'agonie, c'est le fait d'aller se perdre dans les rayons des vidéoclubs, donc les rayons remplis de jaquettes formidables. Alors je ne veux pas le vexer, mais il n'est pas à l'agonie, il est mort depuis longtemps. Aussi désolant que cela soit à dire. Je crois qu'il y a encore un vidéoclub à Neuilly-Mines. Farewell, my old friend. So long. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film qui t'est cher, qui nous est tous cher, je pense. Très cher. Et qui est en plus ressorti en restauration 4K. Exact. Mes vidéos, on ne sait pas pour le cinéma, je pense qu'on va vite se renseigner. J'ai mes doigts croisés depuis 3 mois. Là. Et pas que tes doigts y paraît, alors... Ça commence à être confortable d'ailleurs. Donc on va parler d'un film qui a ouvert, qui a été précurseur dans toute une vague de films super-héroïques. Absolument. Moi je pense même qu'il a une énorme influence sur une autre saga de films qui est Matrix, qui croise aussi d'ailleurs le film de super-héros, on peut le dire. Clairement. Ça s'appelle Blade, c'est réalisé par Stephen Norrington, si exactement. Je ne me trompe pas. Stephen Norrington qui n'a plus de carrière depuis longtemps. Non, c'est pour rien. Qui ne sait pas de bol d'ailleurs, et c'est avec un certain Wesley Snipes. Ouais, tu vois, tu as dit Blade, Adrien a déjà commencé à se frotter sur la poubelle qui est entre ses jambes. mais Blade, c'était, tu vois, si je devais, à titre personnel, tu vois, définir le film qui m'a complètement emmené dans une passion démesurée, en fait, pour le cinéma, ça a été celui-là, quoi. Parce que je me souviendrai toute ma vie. Quelle année ? 98 Il est sorti en novembre 98. Deux semaines avant... Je lisais mon programme télévisé, et là, d'un coup, je voyais une interview de Wesley Snipes, et je voyais un personnage. T'avais Wesley, il était sur sa moto, il y avait une sorte d'armure hyper stylée avec un long manteau en cuir, il sortait son épée comme ça, derrière le dos, lunettes de soleil, et là, je te jure, avant même de lire un seul mot d'interview, j'ai un choc esthétique, j'ai un choc rétinien, dans le sens où... j'avais l'impression que le look du personnage et le personnage en lui-même véhiculait tous les fantasmes que j'avais jamais osé nourrir. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que pour un gamin dans mon genre qui avait grandi dans les années 90, donc qui avait grandi avec le Club Dorothée, Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, etc., qui à côté, tu t'es nourri aux films d'action de Van Damme, Schwarzy, Stallone, plus tard Jackie Chan et compagnie. Et là, j'avais l'impression de voir quelque chose qui condensait tout ça. À partir de ce moment-là, je te promets, je me suis dit, ce film m'appelle. Je dois aller voir ce film en salle. Il y a des choses plus tard tonight than vampires. Like what? Like me. Half human. Blade's mother was attacked by a vampire while she was pregnant. Half immortal. You got the best of both worlds. All our strengths, none of our weaknesses. He is their greatest fear and our only hope. It's open season on all vampires. Wesley Snipes. Steven Dorff. You're one of them, aren't you? No, I'm something else.
fallait convaincre ma mère de me mener en fait jusque à Lille pour aller voir le truc. C'est compliqué quoi. Donc déjà tu commençais déjà tu pointes du doigt le truc de manière innocente, tu tires une tête triste quand tu dis que t'aimerais bien voir un film, tu vois, mais tu fais style, elle doit pas te voir, mais tu le fais dans ton coin de telle manière parce que tu sais qu'elle va te voir en croyant que tu le prends sur toi, tu vois. C'est très subtil ces trucs là. Enfin, bref. Et finalement, putain, je te jure, j'arrive à mes fins, j'y crois même pas qu'on se retrouve au Kinépolis. J'entre dans le hall, tu vois, puis c'est à l'époque, ils avaient pas encore des écrans, tu vois. C'était des affiches monumentales, en plus, tu vois les murs du kiné, quoi. Tu vois, c'est des trucs qui font 700 mètres d'eau. Et puis là, je voyais l'affiche de Wesley, tu vois, avec son truc, son sabre derrière le truc et tout. Je me dis, putain, mais ça va être. Je peux pas croire que je suis là. T'arrives à la caisse, je me dis, putain, je me dis, c'est trop beau, je vais me faire avoir sur l'âge. Tu vois, puis ma mère qui sait pas mentir, dit, bah non, il y a 11 ans, la caissière me laisse passer, je me dis, putain, c'est pas vrai, c'est les étoiles s'alignent, c'est pas possible autrement. You have an invitation, Cardo. La première scène du film, tu sais, qui est la scène mythique du film, tu sais, quand t'as la nana qui emmène le mec dans la chambre froide, qui mène vers une boîte de nuit, il entre dans la boîte de nuit, la douche de sang, les vampires en délire, lui il sait pas où il se trouve, il comprend que ça va être le buffet, le plat de résistance ou même l'apéritif, tu sais même pas, enfin bref, il se commence à se faire tabasser, etc. Bam bam, mais là tu dis purée, tout est foutu. Il arrive au pied d'un type, la caméra se lève tout doucement, tu vois les vampires qui commencent à avoir peur, du genre. Et puis les vampires à l'époque, pour moi, c'était encore une figure, tu sais, très une figure horrifique. Rien ne pouvait surpasser, c'était vraiment un cauchemar, quoi. Et là, tu voyais ces créatures-là qui étaient très, très terrifiantes reculer. Tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe? J'étais bouche bée, tu vois. J'avais jamais espéré à cette époque-là voir tout ça encore plus sur un écran de cinéma. Et je te jure, j'ai passé le film dans un état d'apesanteur pour un gamin de 11 ans. C'était tétanisant, quoi. C'était tétanisant. Et c'est vrai qu'on l'a revu donc il y a peu de temps. Ça a été une pure expérience. Ça, c'est un film, mes films préférés aussi. C'est clair. Au-delà même de sa catégorie de super-héros, ou de cette catégorie d'adaptation. Et il y a quelque chose qui marque. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on rencontre dans tous les films dont on parle, et dans tous les films qu'on aime, c'est le spirituel, quoi. Et autant là, en plus, alors bien sûr, c'est pas le spirituel au premier degré, parce que pour Blade, en plus, il est concerné, je veux dire, il a une religion, quoi. Mais c'est le fait que le film atteint une dimension spirituelle, quoi, il atteint une dimension mythologique et plus que ça. Quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au-delà de toute cette scène d'action en fait, qui sont cool. Et à l'époque, tu vois, c'était en plus le moment où Hollywood commençait à faire venir des réalisateurs de Hong Kong chez eux. Donc t'avais John Woo qui était déjà installé, Chu Yark, Ringo Lam, etc. et tout. Donc t'avais déjà cette espèce de synthèse, ce début de synthèse de culture pop qui était déjà en train de prendre forme. Mais comme tu dis, le côté spirituel est important, parce que moi, ce que j'aimais bien dans le truc, c'est que même Blade, en fait, se comportait lui-même comme un samouraï, quoi, tu vois. Ouais. Tu sais, il avait ce côté très, très stoïque, tu sais, à la Mifune, et tous ces grands personnages de Shambara, mais aussi des grands personnages de Western Spaghetti. Et tu avais l'impression qu'il y avait une vie intérieure, en fait, tu vois, qui ne s'exprimait jamais par la parole, mais qui était toujours présent dans sa manière de se tenir, dans sa manière de se mouvoir dans l'espace, dans sa manière même de regarder les autres personnages. Il n'y avait pas de cynisme dans l'action, quoi. Pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, on en bouffe à gogo. C'est clair. Et là, tu vois ce moment où, en fait, où après... À la fin, par exemple, je pensais à la fin, quand il se prépare à se battre contre le bad guy qui est refait grâce au sang, là. C'est ça, ouais. Et puis, et en plus... Tu parlais des dimensions spirituelles, mais c'est même au cœur du film, parce que ce que reproche finalement la caste des anciens vampires à Deacon Frost, qui est le méchant du film, C'est plus de respect. Exactement, plus de respect, et qui a un sang impur, parce que tu vois, lui, il s'est fait mordre, et il est considéré du coup comme un bâtard par les anciens vampires, qui sont des vampires de naissance. Ce qui lui reproche justement, c'est cette absence de spiritualité, en fait. Et lui, en fait, va courir après cette espèce d'ancienne légende
vampirique qu'ils appellent la Magra, qui est censée faire ressusciter le Dieu vampire pour permettre aux vampires de dominer le monde. Et tu vois, il essaie déjà de s'approprier quelque chose d'une manière impropre, qui ne lui appartient pas, qui ne le mérite pas, quoi, tu vois. Et tu vois que quelque part, Blade, lui, par contre, est vraiment... Oui. Tu vois, issu de cette spiritualité. Du coup, et il lutte en plus contre sa propre condition. Et il lutte contre sa propre condition. Tu... Je pense que pour terminer rapidement, en une minute, pourquoi le revoir sur grand écran? Alors, si je peux me permettre, il y a le scope qui est assez énorme, New York qui est un vrai paysage de chasse urbaine, et en même temps, tu as tous ces microcosmos à l'intérieur qui ne font que s'ouvrir et montrer un monde souterrain qui est extrêmement gros. Mais c'est vachement cool. Parce que, en fait, tu vois, la solution de facilité, ça serait de dire que ce jour-là, mes rêves sont devenus réalité quand j'ai vu Blade. Mais en fait, non, parce que voir Blade au cinéma, on l'a souvent dit dans cette émission, quand tout l'extérieur se suspend, d'accord, quand tu es dans cette espèce de sas qui te mène vers autre monde, c'est pas tes rêves qui deviennent réalité, en l'occurrence, c'est ta réalité qui devient ton rêve. Quoi. Et Blade, c'est vraiment ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que même si j'ai vu Matrix un an après, parce que le film est sorti, ils ont dû avoir 7-8 mois d'intervalle. Ouais, c'est ça. Et j'ai beau avoir adoré Matrix quand j'ai vu, le premier sang avait été versé, tu vois, par Blade. Et pourquoi le revoir aujourd'hui? Déjà parce que c'est super cool. C'est mortellement cool. C'est beau aussi. C'est beau, c'est chiadé en fait. Del Toro avait bien défini le truc. Il avait dit que le film lui faisait penser à du James Cameron en fait. Ouais. Et c'est vrai que dans la texture un peu belotée, métallique des images, dans cette sophistication urbaine, il y a un peu de ça. Ouais. Peut-être que certains critiqueront certains effets numériques, mais c'était de l'expérimentation à l'époque. Mmh. En plus, ils n'avaient pas eu le temps non plus de les finir. C'est clair. Il faut quand même prendre ça en compte. Et on va pas se mentir, ça reste cool. Ça reste quand même une petite portion. Si vous en êtes vraiment à ça, vous ne regarderez jamais rien. Non, exactement. Et puis au bout d'un moment, arrêtez de regarder les Marvel, surtout parce que vous me faites. C'est ça, parce que c'est bien joli. C'est bien joli la perfection technique, mais quand elle est au service d'une idée pauvre, c'est juste une démonstration. Et Blade, ce qui est intact aujourd'hui et ce qui survit magnifiquement à l'écran, c'est le côté novateur et la démesure de ses idées. Parce que vraiment, alors on a cité le début, mais alors à la fin. On était tous en PLS hein, quand on l'a revu. Quand t'as le mec, il vient d'assouvir sa soif de sang. Il reprend son truc, il court, il saute, il tue un mec, il rattrape ses lettres au vol et t'as de la musique techno qui démarre. Tu dis putain, mais. Et en fait, ça pourrait être très ringard ce genre de truc. Ça pourrait être un peu cheap à la Mortal Kombat, quoi, tu vois. Mais. Merci à Adrien. Ça survit extraordinairement bien parce que tu vois que le soin de la mise en scène qui se répercute dans la richesse du récit, dans toute cette vie intérieure, etc. Tu vois sur grand écran, tu réalises que c'est l'écrin de toute cette conception du cinéma là qui était où tu te posais la question du récit, tu te posais la question de l'image et comment imbriquer tout ça pour donner quelque chose qui soit bigger than life. Ouais. Et tu vois Blade, même si ça a l'air d'être une production modeste, et c'est une production modeste au demeurant. Mais tu vois que la démesure en fait à laquelle il parvient et l'orgasme sensitif qu'il te procure, peut-être encore plus quand t'es un mec, faut l'avouer, et que t'as été nourri à tout cet imaginaire-là. Ouais, en fait, tout simplement, quand t'étais nourri à tout cet imaginaire-là, ça n'a pas d'équivalent de voir ça sur grand écran. Vraiment quoi, parce que là, t'as vraiment l'impression que ça prend toute la pièce. Donc je pense qu'on peut terminer là-dessus, on peut espérer le passer un jour à un popcorn dans les bandes. En tout cas, nous, on espère. Celui-là et le deuxième, on avec nous. Le deuxième, on oubliera probablement le troisième, ça c'est une certitude. Peut-être à l'occasion du prochain Blade, qui devrait d'ailleurs s'appeler Blade the Vampire Slayer. Pour ne pas dire Buffy the Vampire Slayer. C'est quoi, franchement, à la limite,
Si le Blade de Marvel avec Mahershala Ali nous permet d'une connexion. Voilà, d'une connexion et nous permet d'une ressortie de Blade au cinéma, ouais, nous permet d'organiser une séance de Blade avec Popcorn Reborn, on vous organisera le Popcorn Reborn le plus mortel que vous n'ayez jamais connu. On va pas se mentir, le Marvel il sera en dernier par contre. En dessous Black Trinity, en plus c'est un moyen quoi, putain. Et donc on va vous laisser, vous allez entendre juste après un petit témoignage donc, que l'un d'entre vous nous aura laissé. N'oubliez pas que vous pouvez le faire. Il s'agit juste de nous laisser un petit message vocal d'une à deux minutes donc sur la boîte, la messagerie de la page Facebook de Popcorn Reborn. Et on se retrouve la fois prochaine. Et vive le cinéma. Eh bien moi, je voudrais parler de ma découverte traumatisante à l'époque de l'exorcisme de William Friedkin. Il persistait une mystique que Friedkin a judicieusement entretenue, par l'affiche notamment inspirée de Magritte. J'avais pris conscience que ce film avait une réputation plus que sulfureuse, voire diabolique. Des ambulances récupéraient les spectateurs qui avaient des malaises lors des séances. Mes parents avaient vu ce film et avaient confirmé la terreur qu'il provoquait. Autant d'encouragement pour le jeune garçon de 11 ans que j'étais à l'époque. J'ai tout de même pu transgresser l'interdit, parce qu'il était interdit au moins de 18 ans. Ce fut pour moi une expérience terrifiante. J'étais obligé de me protéger les yeux et les oreilles de ce qui se passait à l'écran. Agnostique, je cherchais désespérément un crucifix en rentrant chez moi. Quelques années plus tard, vers 18 ans environ, j'ai revu ce film, cette fois-ci averti. Je l'ai regardé, les yeux et les oreilles grands ouverts, la terreur est restée intacte.